était une fois une jeune pucelle qui entendit des voix célestes et fit sacrer le roi de France à Reims. Il était une fois une courageuse bergère qui leva une armée et sauva la France de l'invasion anglaise. L'histoire de Jeanne d'Arc a fait le tour du monde depuis 1431, date officielle de sa mort sur le bûcher. Mais Jeanne est-elle bien morte ce jour-là? Qui est alors cette autre Jeanne qui, 10 ans plus tard, vient perturber le roi Charles? Jeanne est-elle l'élue de Dieu? Ou celle de quelques hommes qui ont transformé une jeune fille en prophétesse? Et si l'histoire de l'héroïne avait été réécrite pour servir des intérêts politiques, afin de gagner la guerre? Personne ne sait à quoi elle ressemblait, car il n'existe aucun portrait d'elle. Et pourtant, Jeanne d'Arc est devenue l'un des personnages historiques les plus représentés au monde. En 5 siècles, elle a inspiré plus de 20 000 livres, autant de thèses, mais aussi de fantasmes et d'idéologies contradictoires. Comment s'y retrouver dans un océan d'archives où les témoignages se croisent sans se ressembler? Et à son époque, déjà, les récits divergent. Alors, qui croire? La source de documentation la plus importante sur la vie de Jeanne est le compte-rendu de son procès en condamnation à Rouen. Mais 20 ans après l'audience, Manchon, le rapporteur du procès de Rouen, conteste les actes qu'il avait lui-même rédigés. Le témoin déclare que le prétendu procès originellement rédigé en français fut avec peu de fidélité traduit en latin. Tronqué de plusieurs déclarations favorables à la dite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères de nature à aggraver son fait. Qu'il apparaît des prémices que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit, qu'on ne lui doit accorder aucune créance. Manchon ne sera pas le seul à mettre en doute le procès de Rouen. Les voisins de Jeanne, ses amis, compagnons d'armes, certains juges et même le bourreau, tous vont témoigner devant le cardinal d'Estouville lors d'un procès en réhabilitation ordonné par le roi, 20 ans après la mort de la pucelle. Pendant 6 ans, le cardinal consigne les récits de 114 témoins qui ont approché Jeanne. Toutes ces dépositions, qui glorifient la pucelle, sont relues à leurs auteurs par d'Estouville, à haute voix. Dans sa jeunesse, le témoin a connu Jeannette, dite la pucelle. Elle était de Don Rémy, ses parents étaient les époux Jacques d'Arc et Zabillet, braves cultivateurs et vrais catholiques, bonne réputation. Le témoin dit aussi que Jeanne était très pieuse, et avait grand pitié des temps de massacre. Elle ne jurait jamais, et le témoin, selon ses dires, était très enflammé par ses paroles. Jeanne lui semblait être envoyée par Dieu. Les témoins insistent sur le fait que Jeanne est une bergère. Le témoin déclare qu'il a vu plusieurs fois Jeanne la pucelle. Dans sa jeunesse, il a été à la charrue avec elle, pour son père, et au pâturage avec elle et les autres filles. Elle s'occupait, comme toutes les autres filles, garder de temps en temps les bêtes de son père. Et pourtant, au procès de Rouen, Jeanne précise plusieurs fois qu'elle n'a jamais gardé d'animaux. Alors, qui croire? La légende de la bergère est élaborée du vivant de Jeanne. À partir de quand commence-t-on à parler d'une Jeanne bergère ou d'une jeune bergère? Dès la fin du printemps et au début de l'été 1429, presque au moment de la délivrance d'Orléans. Là, elle a rassemblé les moutons, elle a rassemblé les chiens de berger et elle a sauvé la ville.
et on commence à parler d'une bergère. Une image biblique de Jeanne d'Arc, protectrice de la population. Et l'un des premiers propagateurs de cette légende n'est autre que Perceval de Boulainvilliers, le chambellan du dauphin Charles. Il décrit Jeanne comme une petite bergère qui accomplit des miracles. Dès qu'elle en est à sa 7e année, ses parents, selon l'usage des villageois, l'emploient à garder les agneaux. Pas un des plus petits ne périt et ne devient la proie des bêtes féroces. Le bourgeois de Paris, chroniqueur et partisan des Anglais, ne croit pas un mot de cette propagande. Il s'en moque dans son journal. Ils affirmaient que lorsqu'elle était bien petite et qu'elle gardait les brebis, que les oiseaux des pois et des champs à son appel venaient manger son pain dans son giron, comme s'ils avaient été apprivoisés. Alors, Jeanne bergère, les textes premiers sont déjà en contradiction. Et dans l'histoire de la Pucelle, il y aura bien d'autres mystères. Pendant la guerre de Cent Ans, les Français s'entre-déchirent. Après la défaite d'Azincourt, la reine Isabeau a signé le traité de Troyes en 1420, par lequel le roi d'Angleterre doit régner désormais sur la France. Le pays se retrouve divisé en trois parties. Le nord et l'Aquitaine, occupés par les Anglais. Le duché de Bourgogne, allié des Anglais. Les Armagnacs, eux, dans leur fief, au sud de la Loire, résistent aux côtés du dauphin Charles. Le royaume de France est alors revendiqué par deux souverains sans couronne. Quel camp Dieu va-t-il choisir ? Il faut avoir en mémoire que pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais comme les Français croyaient que Dieu était de leur côté. Et en général, on considérait que la victoire en était la meilleure des preuves. Jeanne entend des voix peu après le traité de Troyes. Son village, dont Rémy, à la frontière des terres ennemies, n'est pas épargné par la guerre. C'est donc une région où la guerre civile et la guerre étrangère sont extrêmement présentes. Et durant l'enfance de Jeanne, elle verra brûler ou piller son village deux fois. C'est là une des raisons du choc et de la venue de l'ange. La voix céleste est ainsi décrite par Perceval de Boulainvilliers, chambellan du dauphin, dans un courrier diplomatique au duc de Milan. Soudain, une nuée lumineuse se présente à ses yeux, et de la nuée sort une voix qui lui dit « Jeanne, il te faut entreprendre une vie toute différente. Tu dois accomplir des choses étonnantes. C'est toi que le roi du ciel a choisi pour relever le royaume de France, pour secourir et défendre le roi Charles chassé de son domaine. Il te faudra revêtir l'habit d'homme, porter les armes, être chef de guerre. Tout sera dirigé par ton conseil. » La voix se tut et la nuée s'évanouit. Ces voix lui ont assigné quatre missions. La première mission, c'est de délivrer Orléans. La deuxième mission, c'est de faire sacrer le roi, le dauphin, Charles, à Reims. La troisième mission, c'est de reconquérir Paris. Et la quatrième mission, c'est d'aller délivrer Charles d'Orléans, le poète, qui est prisonnier à Londres depuis la bataille d'Azincourt en 1415. Elle a 13 ans quand les voix apparaissent. Elle vient de prêter vœu de virginité, le vœu de ne jamais se marier. Et puis, c'était en plein été, et vers midi, du côté de l'église, elle était assise dans le jardin de son père. Elle entend pour la première fois une voix. La voix est la voix de Dieu. Au début, ce ne sont pas du tout des voix identifiées précisément. Et la voix lui dit qu'il faut qu'elle aille en France. C'est un mélange de sons, où elle ne comprend pas toujours tous les mots, et un mélange de lumière. Elle dit qu'elle voyait des particules lumineuses venir à elle.
ça peut ressembler à une hallucination visuelle et auditive, si vous voulez. Mais ça peut aussi être la voix de Dieu. En tout cas, Jeanne croit que c'est la voix de Dieu. Elle se fera tuer pour ça. Donc, ça n'a pas d'importance que ce soit la voix de Dieu ou que cela ne le soit pas, puisque ça fonctionne comme si ça l'était et que tout le monde y a cru. Marcel Gay, grand reporter, travaille depuis 20 ans à décrypter les contradictions de l'histoire de Jeanne d'Arc. Il enquête sur le terrain avec des méthodes de journaliste d'investigation. C'est une astuce extraordinaire pour laisser croire qu'elle vient de la part de Dieu, que tous ses actes sont commandés par Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle fiche une trouille pas possible à tous les Anglais qui viennent combattre d'elle, puisqu'elle est du côté de Dieu, ça veut dire qu'eux sont du côté du diable, du mal. On lui demande si ses voix, elles savent parler français. Jeanne dit, elles parlent très bien français, puisqu'elles sont du parti français. Mais est-ce qu'elles ont des cheveux? Mais Jeanne dit, oui, elles ont des cheveux. Et est-ce qu'elles sont bien habillées? Est-ce qu'elles sont toutes nues? Pas toutes nues. Ben, elle dit, oui, elles ont des belles robes. Elles ont une apparence humaine, c'est pas simplement des voix. Elles sentent bon, elles ont des cheveux. Saint-Michel est habillé en chevalier. C'est pas simplement des voix, ce sont des hommes, des femmes qui vraisemblablement sont autour de Jeanne, qui la conseillent depuis son plus jeune âge et qui la suivent durant toute son épopée. Ces voix, moi je pense que ce sont de nobles dames qui ont pour mission de guider Jeanne dans tout ce qu'elle fait, dans ses combats, dans les réponses qu'elle doit apporter à ses juges à Rouen, et qui vraisemblablement lui seront d'un très grand secours, parce qu'elles lui ont promis, les voix lui ont promis, qu'elle serait sauvée. La ferveur religieuse et le mysticisme règnent dans ce royaume dévasté. Les grandes cathédrales gothiques viennent d'être achevées. Et bien avant la naissance de Jeanne d'Arc, des prophéties annoncent la venue d'une pucelle envoyée par Dieu pour sauver le royaume. L'époque, la fin du Moyen-Âge notamment, est une époque remplie de prophéties. Et même, plus exactement, de prophétesses. Et qui était souvent difficile d'interprétation. Alors, lorsque Jeanne d'Arc est apparue, eh bien, on s'est souvenu de prophéties qui couraient ici ou là, et on les a appliquées au cas de Jeanne d'Arc. Le premier texte auquel on fait référence, c'est celui de la recluse d'Avignon, Marie Robine, qui, à la fin de sa vie, avait annoncé que le royaume de France, perdu par une femme, serait sauvé par une vierge. Et tout le monde reconnaît évidemment la femme qui a perdu le royaume de France, la reine Isabeau de Bavière, qui se comporte très mal et qui a signé le traité de Troyes. Et dans la vierge qui va sauver le royaume, la pucelle de France, donc Jeanne d'Arc. La deuxième prophétie qui est très très répandue est la prophétie qui est attribuée à Merlin. Et dit que une vierge venant du bois chenu chevauchera contre le dos des archers. La vierge qui vient du bois chenu, c'est forcément Jeanne, puisque à Don Rémy même, il y a un bois qu'on appelle le bois chenu. Et les archers, évidemment, ce sont les Anglais. Il y a d'autres prophéties, hein, mais ces prophéties, elles cheminent dans tout le royaume, elles marquent les esprits, et tout le monde attend cette vierge qui va sauver le royaume. Et voilà Jeanne qui arrive. Le témoignage de son oncle montre bien que, pour convaincre son entourage, Jeanne a elle-même recours à ses prophéties. Le témoin déclara par serment que lui-même alla chercher Jeanne chez son père, et elle disait à lui, témoin, qu'elle voulait aller en France vers le dauphin pour le faire couronner, déclarant, n'a-t-il pas autrefois été dit que la France, par une femme, serait désolée, et ensuite, par une pucelle, devait être restaurée. Jeanne d'Arc y croyait elle-même. Elle s'est inscrite, elle s'est présentée comme une prophétesse, et les gens autour d'elle ont toujours cru qu'elle pouvait prédire l'avenir, que trouver les choses cachées, que Dieu parlait par sa bouche. Et à la limite, ils en attendaient même des miracles, et chasser les Anglais, ça pouvait être un miracle d'une certaine façon. Le plus déroutant dans l'affaire de Jeanne d'Arc, le plus mystérieux, c'est quand même la façon dont elle s'est convaincue, dont elle a été convaincue d'être la fille de Dieu,
envoyée par Dieu pour réaliser le salut du royaume de France, avant même son intervention. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de mystérieux, parce qu'on peut dire que c'est de l'hallucination, de l'auto-persuasion, bon, un certain âge de la vie, etc. Mais c'est quand même assez unique. Des visionnaires, ça existe, etc. Mais réalisant elles-mêmes leur prophétie, c'est quand même assez unique. Et dès cette époque, certains pensent que l'accomplissement de cette prophétie n'est qu'une mise en scène bien orchestrée par des nobles français. 25 ans après la mort de Jeanne, le pape lui-même s'interroge. Était-ce une œuvre divine ou un stratagème humain? Il me serait difficile de l'affirmer. Alors que les Anglais prospéraient, les grands de France étaient divisés entre eux, sans vouloir accepter la conduite de l'un des leurs. Quelques-uns pensent que l'un d'eux, mieux avisé, aura imaginé cet artifice de produire une Vierge divinement envoyée et à ce titre, réclamant la conduite des affaires. Il n'est pas un homme qui puisse refuser d'avoir Dieu pour chef. Les ennemis bourguignons n'ont aucun doute sur le stratagème. Une pièce galante de l'époque insinue que Jeanne aurait été formée aux armes et manipulée par un capitaine pour simuler la mission divine de la petite bergère. L'on m'a dit, pour chose certaine, que comme un page elle servit en sa jeunesse un capitaine où l'art de porter harnais elle vit. Et quand jeunesse le ravit et lui voulut son savoir montrer, conseil eut qu'elle se mit à harnais et lance porter. Puis force, avisant la manière qu'à Orléans elle viendrait, comme une simple bergère, elle écouterait et répondrait. Et comment son enseigne rendrait au roi et à son parlement par lequel on verrait qu'elle vint divinement. Dans l'épopée de Jeanne, il existe bien un capitaine. C'est Robert de Baudricourt, responsable militaire du roi de France dans la région. C'est lui que Jeanne a sollicité en premier pour lui demander de rencontrer le dauphin. Les chroniques de Lorraine sont un recueil d'anciens textes compilés par le dominicain Don Calmet. Elles fournissent une étonnante version de la rencontre à Nancy entre Jeanne, le capitaine de Baudricourt, et le duc de Lorraine. Quand il vint avec la fille à Nancy, le dit Baudricourt la présenta au duc, en lui disant comment elle désirait d'aller voir le roi Charles pour le remettre sur le trône de France et enchasser les Anglais. « Monseigneur, je vous promets qu'il me tarde beaucoup d'y aller. »« Comment ? » dit le duc. « Mais tu ne portas jamais arme, ni à cheval ne fût. » La fille répondit que quand elle aurait une armure et un cheval, « je monterai dessus et on verra bien si je sais le guider. » Le duc lui donna une armure et un cheval et la fit armer. Et en présence de tous, sans mettre le pied en l'étrier, elle se rua sur la selle. On lui donna une lance, elle vint en la place du château, elle la courut. Jamais homme d'armes mieux ne la courut. Toute la noblesse était ébahie. Alors on se demande comment elle s'est entraînée. Donc les contemporains ont eu deux explications, comme toujours. La première explication, eh bien, Dieu lui a donné cette grâce de
se tenir à cheval comme une chevalière, si vous voulez, comme une écuyère. Donc il y a un côté miraculeux. Dieu lui a donné cette force puisque Jeanne d'Arc, c'est l'instrument de la Providence. Et puis l'autre explication, l'explication du Bourguignon en particulier, ah ben, c'est pas étonnant parce que Jeanne d'Arc aurait été programmée, formée, mise en scène, instruite pour remplir un certain rôle. Robert de Baudricourt aurait été, pour ainsi dire, le deus ex machina et aurait formé Jeanne d'Arc à son rôle pour ensuite l'expédier à la cour de France. Et à la cour de France, on l'aurait utilisé en vue de convaincre l'opinion française que le ciel s'était prononcé en leur faveur. Une telle formation militaire réclame des années. Or, la plupart des historiens estiment que Jeanne n'a que 16 ans lorsqu'elle convainc le capitaine de Baudricourt de l'aider dans sa mission. L'âge de la Pucelle reste un des grands mystères de l'histoire. Nous n'avons pas de documents précis qui attestent de la naissance de Jeanne. Il n'y avait évidemment pas d'état civil. Mais Jeanne d'Arc est interrogée à plusieurs reprises sur son âge et elle dit au moment du procès avoir 18 ou 19 ans, un âge qui l'a fait naître probablement le 5 janvier 1412, le jour des rois. Pour une prophétesse, c'était en un sens le meilleur jour. Est-on absolument sûr? Un ou deux ans près? Oui. En fait, le seul texte qui mentionne cette date est toujours celui de Perceval de Boulainvilliers, le chambellan du dauphin Charles. Déjà, je pense, est arrivée à vos oreilles la renommée d'une Pucelle qui, comme on le croit pieusement, nous a été divinement envoyée. Elle est venue à la lumière de notre vie mortelle dans la nuit de l'épiphanie du Seigneur. Jeanne, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est née. En tout cas, ce n'est pas le 6 janvier 1412. Elle-même donne des dates différentes. Les chroniqueurs donnent des dates différentes. Mais un événement de sa vie, rarement cité, pourrait nous renseigner. Jeanne a été fiancée. Ses parents ont essayé de la marier de force. Ayant fait vœu de chasteté, elle est conduite le jeune homme qui lui intente alors un procès. Jeanne comparaît et se défend seule devant l'officialité de Toul en 1428. Et elle gagne. De ce procès matrimonial, il ne reste plus qu'une plaque devant la cathédrale. Si elle se défend devant l'officialité seule, c'est-à-dire sans l'aide de ses parents, de son père, de sa mère, c'est que Jeanne a obligatoirement au moins 20 ans. C'était l'âge de la majorité pour l'officialité de Toul à ce moment-là. Jeanne aurait pu avoir des années d'entraînement pour bien apprendre le métier des armes. Mais avec qui? Le procès en réhabilitation révèle que deux officiers sous les ordres du capitaine de Baudricourt se rendait régulièrement à Don Rémy. Le témoin déclare par serment... Bertrand de Poulengy est un noble, il est chevalier, il est au service de Robert de Baudricourt. Bertrand de Metz, c'est un officier très proche de Bertrand de Poulengy, ils font équipe. Ils sont allés très souvent à Don Rémy, nous le révèlent dans leur témoignage. Son père était Jacques d'Arc de ce village. Il ignore le nom de sa mère, mais il est allé plusieurs fois dans leur maison et sait que c'était de bons laboureurs. Et on peut se demander, on peut se poser la question de savoir ce qu'ils allaient faire aussi fréquemment à Don Rémy, où ils connaissent le Jacques d'Arc, mais ils ne connaissent pas la mère. Ce qui veut dire qu'ils n'allaient pas à la maison, ils allaient ailleurs. Et faire quoi? Dans les archives de Lorraine, on trouve un document étonnant. Le bail de Jacques d'Arc. Le père de Jeanne. Ce bail atteste que Jacques d'Arc louait au seigneur local non seulement des terres, mais encore une forteresse, appelée le château de Lille. Mais alors, est-il un humble paysan? Alors, ce n'est pas, je suis désolée, une famille très pauvre.
C'est une famille aisée du village. Son père est doyen, un peu l'équivalent de maire. Il est en contact avec le capitaine de vos couleurs qu'elle ira trouver plus tard, si celui-ci la reconnaît, si elle le reconnaît, si qu'ils se connaissent tout simplement. Ce n'est pas une famille du bas de l'échelle, c'est plutôt une des familles les plus riches du village. Si Jacques d'Arc contrôle une forteresse dans cette région menacée, elle est forcément sous l'autorité du représentant militaire du roi, le capitaine de Baudricourt. Ce sont ses officiers qui achèvent la transformation de Jeanne en homme. Alors Bertrand, le témoin qui parle, et Jean de Metz firent tant avec l'aide des autres gens de vos couleurs qu'elle put quitter ses vêtements féminins de couleur rouge. Ils lui firent préparer une tunique et des vêtements d'homme, des éperons, des chausses, une épée et autre chose semblable, ainsi qu'un cheval. Le 23 février 1429, en plein hiver, elle quitte Vaucouleurs pour Chinon. Baudricourt lui a fourni une escorte de 6 cavaliers, dont Collet de Vienne, un messager royal. Il couvre le trajet de 600 km en 11 jours. La route traversant les terres des ennemis anglais et bourguignons, ils font le voyage de nuit. Une telle équipée représente une épreuve même pour un cavalier émérite. Et elle va affronter le péril. Et c'est aussi, quand elle arrivera à Chinon, elle pourra dire « moi je l'ai fait ». C'est déjà une première preuve du soutien de Dieu, qu'elle n'ait pas eu de difficulté, qu'elle ne se soit pas fait tuer. Alors, en ce début du XVe siècle, le royaume de France est dans une situation catastrophique. Le roi a été obligé de quitter Paris. Il s'est réfugié à Bourges, on l'appelle par dérision le petit roi de Bourges. Et quand les Anglais ont mis le siège devant Orléans, il s'est réfugié ici, dans cette forteresse de Chinon. La situation est tellement désespérée que Charles VII, envisage de quitter le royaume. Il envisage de se réfugier soit en Espagne, soit en Écosse. Qu'est-ce qui peut le sauver? Il n'y a plus qu'un miracle. Et ce miracle, il s'appelle Jeanne. Le lieu où Jeanne a rencontré le dauphin existe toujours. Nous sommes ici dans la salle d'apparat du château de Chinon, qui se situait au premier étage, où Jeanne est rentrée. Elle traverse cette pièce où il y a environ 300 chevaliers, une cinquantaine de torches et de flambeaux, sans compter, dit Jeanne, les lumières spirituelles. Jeanne, une jeune fille qui a environ 20 ans, qui est brune, petite, bien compassée de membres, nous dit Jean Bréal. Elle a un cou bref, elle mesure 1,59 m. Elle est habillée d'un pourpoint noir et d'une tunique de gros gris noir. Elle dénote au milieu de ses chevaliers, de ses belles dames. Et pourtant, elle n'est pas impressionnée. Elle fait les révérences accoutumées à faire au roi, nous dit Jean Chartier, le chroniqueur, comme si elle eût été nourrie à la cour. Jeanne s'approche, va vers le trône qui était près de la cheminée, et en réalité, le roi a quitté le trône, il s'est caché parmi ses courtisans. Et pourtant, Jeanne ne va pas vers l'homme qu'on lui indique, mais se dirige, elle, vers le roi, le vrai roi, et le reconnaît. C'est là l'un des premiers miracles de Jeanne. Une fois qu'elle a identifié le roi, tous deux se mettent près de cette cheminée et Jeanne lui dit « Je me nomme Jeanne la Pucelle, je viens de la part de Messire Dieu te dire que tu es le vrai héritier du trône de France et je suis chargé de te conduire à ton sacre à Reims. » Quand il sort de son entretien avec Jeanne, Charles, souvent décrit comme taciturne et indécis, est transformé. Selon tous les témoins, il rayonne. Après quoi, le roi et Jeanne se mettent au bord d'une fenêtre, un petit peu à l'écart de la foule, où ils vont se parler. Jeanne lui révèle un secret, lequel personne ne le sait. Personne ne le sait.
à partir de la révélation de ce secret, c'est pour dire à quel point il est important, Jeanne aura droit à tous les égards d'une princesse de sang royal. Et ça, c'est assez étonnant pour être noté. Charles va reprendre confiance en lui et va s'appuyer sur Jeanne pour repartir à la conquête du royaume. Jeanne est très à l'aise et donne l'impression d'être l'égale des grands de la cour. On lui donne du noble princesse ou noble dame, des termes avec lesquels on ne jouait pas à l'époque. Et elle ne se présente jamais sous le nom de Jeanne d'Arc, mais toujours sous celui de Jeanne la Pucelle. Dès lors, un certain nombre de chercheurs hétérodoxes ont émis l'hypothèse que Jeanne était noble ou d'extraction royale. Elle pourrait être une bâtarde et élevée à la campagne. Mais les preuves manquent. Les preuves manquent également pour savoir qui aurait pu instrumentaliser la mission divine de Jeanne, la prophétesse. Si on ne croit pas à l'intervention divine, il faut admettre qu'il y a une intervention humaine. Il faut admettre qu'une personne plus avisée que d'autres a conçu cette opération et l'a menée du début à la fin. Cette personne me semble être Yolande d'Anjou. Yolande d'Anjou est la reine des quatre royaumes. Elle est reine de Sicile, reine de Naples, reine d'Aragon et reine de Jérusalem. C'est elle qui, dans son château d'Angers, a hébergé et éduqué le dauphin, qui sera le futur Charles VII, qu'elle va marier avec sa fille Marie. Yolande d'Anjou est une patriote, comme on dirait aujourd'hui, et veut absolument sauver le royaume de France et surtout préserver les intérêts de ses enfants. C'est elle qui aurait pu concevoir tout le stratagème, et en même temps, elle est d'une discrétion incroyable, puisqu'elle est même oubliée des historiens. Et il ne reste d'elle qu'un seul portrait dans un vitrail de la cathédrale du Mans. S'il n'y a aucune preuve, il y a néanmoins une certitude. C'est Yolande d'Anjou qui supervise le plus important des examens, celui de la virginité de Jeanne, qui garantit qu'elle a consacré son corps à Dieu. C'est donc bien Yolande d'Anjou qui légitimise Jeanne la Pucelle. Cette virginité est importante d'abord parce que Jeanne elle-même s'affirme pucelle, donc vierge. C'est sa définition. Parce que les prophètes sont en général vierges. Et les prophéties qui lui sont antérieures parlaient de l'arrivée d'une vierge. Donc pour coller, si vous voulez, au schéma prophétique dont elle s'est servie, il fallait absolument qu'elle soit vierge. Et puis ça correspond de sa part à un choix personnel. On sait que Jeanne d'Arc n'aime pas qu'on la touche. On sait qu'elle a la hantise du viol, qu'elle croit tout de suite que les hommes ont de mauvaises intentions vis-à-vis d'elle. À Poitiers, on poursuit les examens. Jeanne est ensuite questionnée 3 semaines durant par une assemblée de théologiens et de docteurs. Alain Chartier, le secrétaire du roi, présent sur place, est impressionné par sa sagesse et son savoir. Les questions sont nombreuses, réitérées. Elles portent sur les plus hauts mystères divins et humains. Ses réponses sont si justes, si belles, qu'on eût dit que ce n'était pas dans les champs, à la suite des troupeaux, mais bien dans de savantes écoles, qu'elle avait vécu. Le témoin lui demanda quelle langue parlait sa voix. Une langue meilleure que la vôtre, lui répondit-elle. Le témoin parle limousin. Il lui demanda encore si elle croyait en Dieu. Oui, certes, répondit-elle, et mieux que vous. Ce qui paraît un peu singulier dans cette histoire, c'est que Jeanne va s'exprimer dans un français de France particulièrement pur. Elle est comprise immédiatement du roi et des courtisans, ce qui veut dire qu'elle parle français. Alors c'est étonnant
puisque la province d'où elle vient, le Barrois, on parle une espèce de patois, un français qui n'est pas compréhensible au-delà de 50 ou de 100 kilomètres de Don Rémy et de Vaucouleurs. Ce qui veut dire que lorsque Jeanne vient voir le roi, elle a appris le français, forcément. On sait que Jeanne est illettrée parce qu'elle l'affirme elle-même à plusieurs reprises. Elle dit par exemple, moi je ne sais ni A ni B. Ça veut dire je n'ai même pas commencé à apprendre mon alphabet. Je ne sais pas lire et a fortiori pas écrire. Mais elle a appris à signer plus tard. Mais savoir signer ne veut pas dire savoir écrire. Les historiens se fondent sur ce témoignage-là pour dire qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Or, à Rouen, on demandera à Jeanne, on l'interrogera beaucoup là-dessus, et elle dit qu'elle peut écrire à ce moment-là, elle n'a ni scribe, ni personne, ni personnel à sa disposition. Et par contre, elle dit, donnez-moi les documents, je vais les lire, ou donnez-moi de quoi écrire, et je vais écrire, etc. Donc on sait, elle dit elle-même qu'elle peut écrire, qu'elle sait lire. Ainsi, les interprétations divergent sur les connaissances de Jeanne. Mais le témoignage du cousin du dauphin, le duc d'Alençon, révèle qu'elle n'a peut-être pas dit toute la vérité. Jeanne, qui prenait alors ses repas avec le témoin, confia à celui-ci qu'elle avait été beaucoup questionnée, mais qu'elle savait et pouvait plus de choses qu'elle n'en avait dites à ceux qui l'interrogeaient. Le témoignage du duc d'Alençon souligne également les connaissances militaires de la Pucelle. À Chinon, Jeanne fait une nouvelle démonstration de ses talents de cavalière. Après le repas, le roi alla se promener dans les prés et Jeanne y courut avec la lance. Le témoin, voyant comment elle se comportait en tenant la lance et en courant avec sa lance, lui donna un cheval. Pour la guerre, elle était très habile, tant pour porter la lance que pour rassembler l'armée, ordonner le combat et préparer l'artillerie. Tous étaient pleins d'admiration de ce qu'elle put se comporter si habilement et prudemment dans les actions militaires, comme si elle était un capitaine guerroyant depuis 20 ans ou 30 ans, et surtout à propos de la préparation de l'artillerie, en quoi elle excellait. La personnalité de Jeanne fascine les chefs de guerre du clan des Armagnacs. Parmi eux, Gilles de Rais, qui restera dans l'histoire sous le surnom de Barbe Bleue. Quand elle arrive auprès du roi, il y a des gens qui sont là, qui font la guerre, et qui font la guerre depuis des années pour certains d'entre eux, et ces gens-là sont, on pourrait dire, finalement les pires. C'est-à-dire que ce sont les plus violents, les plus rapaces, les plus féroces, les plus cruels. C'est grâce à ça que Charles VII a gagné. Et Charles VII, probablement, est largement à la hauteur de tous ces gens-là. Le fameux Lahire, par exemple, un des premiers faits d'armes auxquels il participe, c'est la prise d'un château, où on le lui reprend, et avant de partir, il égorge les 25 prisonniers, histoire de laisser personne derrière lui. Enfin, c'est des gens que le fait de tuer leur prochain n'inquiète pas du tout. Malgré tous les témoignages qui lui attribuent pages, héros et écuyers, le rôle militaire de Jeanne n'est pas précisé. Nous avons, par des comptes, l'organigramme de l'armée française. Elle n'est pas à la tête de cette armée. Les décisions militaires se prenaient en conseil de guerre. Et on a l'impression que Jeanne d'Arc, le plus souvent, était tenue à l'écart de ce conseil de guerre. Alors elle pouvait intervenir en raison de son immense popularité, mais elle n'était pas chef de guerre. Son courage et son charisme vont surprendre, et comme les voix l'avaient annoncé, Jeanne la Pucelle libère la ville d'Orléans des Anglais en à peine 8 jours. Mais ce miracle arrive bien à point. Les Anglais ont à ce moment de graves dissensions avec leurs alliés bourguignons.
on s'aperçoit qu'il y a aussi des considérations économiques. Le duc de Bourgogne exige pour payer ses hommes qu'on lui donne Orléans. Finalement, le duc de Bedford, le régent anglais, ne veut pas de cette solution, ce qui fait que le duc de Bourgogne fait retirer ses troupes, et voici que d'un seul coup, les troupes françaises sont plus nombreuses que les troupes anglaises. Le duc de Bedford a écrit qu'il y avait deux raisons qui avaient fait d'Orléans un échec. Il a dit que le siège d'Orléans avait été entrepris sous le conseil de Dieu sait qui. Puis il a fait des commentaires sur l'effet négatif de Jeanne sur ses troupes, qu'elle avait terrorisées. En d'autres termes, c'est la peur de Jeanne qui a causé la défaite. Et à partir de ce moment-là, les Anglais ne gagnent plus. Par superstition, la population dans son ensemble a commencé à croire que Dieu s'était détourné des Anglais. Si les Anglais sont terrifiés par Jeanne la Diablesse, pour les Armagnacs, elle est une envoyée de Dieu. Et dès la victoire d'Orléans, les poèmes épiques commencent à propager la légende de la Pucelle. Ainsi que l'exigeait la mission reçue d'en haut, elle porte un cœur et un vêtement viril. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont formée à la guerre, c'est Dieu. C'est le ciel qui l'envoie pour confondre ou Angleterre ton insolence sans frein. Pareil désastre si soudain frappe de terreur ceux qui gardent les autres forts. Ils n'attendent pas un nouvel assaut, fuyant honteusement. Ils abandonnent toute leur position à la Pucelle, victorieuse, forte de la pluie et du ciel. Naturellement, le bourgeois de Paris, partisan des ennemis bourguignons, se déchaîne dans sa chronique contre la Pucelle. Elle se prétendait prophète et elle clamait « Telle chose adviendra pour vrai ». Tous les jours, elle chevauchait avec le roi, avec grande foison de gendarmes, sans aucune femme, vêtue, chaussée et armée à la guise des hommes, un gros bâton dans sa main. Et quand un de ces gens se méprenait, elle l'en frappait à grands coups, à la manière d'une femme très cruelle. Grâce au procès en réhabilitation qu'instruit le cardinal d'Estouville, les témoignages recueillis nous font entrer dans l'intimité de Jeanne pendant cette campagne. Car toujours la nuit, elle avait une femme couchant avec elle si elle pouvait en trouver une. Et si elle ne pouvait pas en trouver, lors de la guerre ou en campagne, elle couchait tout habillée. Jeanne couchait toujours avec des filles jeunes et ne voulait pas coucher avec des femmes âgées. Dites encore plus qu'il a ouï dire par plusieurs femmes qui ont vu la dite Pucelle par plusieurs fois nue et connu ses secrets, qu'elle n'avait jamais eu la secrète maladie des femmes et que jamais nul n'en put rien connaître. On sait aussi qu'elle est à peu près imperméable à la fatigue, qu'elle ne mange pratiquement pas, qu'elle n'a pas de règles comme beaucoup de sportifs des Jeux Olympiques actuels. Ce n'est pas le corps ordinaire des femmes qui va donner des enfants, qui va être fragile et maternel. C'est un peu un corps à part, qui échappera aux blessures, qui sera peut-être immortel. Rien ne semble devoir arrêter la Pucelle. Derrière son étendard, les Armagnacs s'emparent de Beaugency, Mains, Souilly-sur-Loire. À Patay, ils défont l'armée anglaise, puis Gien, Auxerre, Troyes tombent à leur tour. Sous l'impulsion de Jeanne, l'armée reprend ce que les Anglais avaient mis des années à conquérir. Reims capitule le 16 juillet 1429. Le lendemain, à la hâte, pour ne pas s'éterniser en territoire menacé, Jeanne fait sacrer Charles VII en la cathédrale. Grâce à l'onction avec le Saint Crème de Clovis, Charles est désormais reconnu par tous comme roi de France désigné par Dieu. Reims était depuis longtemps le lieu de couronnement des rois de France.
À Reims se trouvait l'huile sainte qui avait été utilisée non seulement pour le couronnement de Clovis, mais également pour son baptême, sa christianisation. Et donc, pour légitimer ce roi de France, il fallait l'onction avec le Saint-Crème. Souvenez-vous que les Anglais se disaient alors être les rois légitimes de France et d'Angleterre. Le sacre de Charles VII est le triomphe de Jeanne et de ses voix divines. Elle a réalisé la deuxième prophétie. Elle a inversé le cours d'une guerre qui durait depuis près de 100 ans. Mais pour le roi, l'heure est au pragmatisme. Il tente de négocier avec les Bourguignons une trêve que Jeanne dénonce. Elle décide alors de prendre Paris d'assaut. Jusque-là, c'était l'année des merveilles. On croyait qu'elle allait faire des miracles. Elle n'avait connu que la victoire. Et puis, le 8 septembre, la ville de Paris a refusé de s'ouvrir. Les Parisiens étaient très compromis avec les Bourguignons. Ils avaient peur, s'ils ouvraient la porte au roi, de perdre leur place et d'un massacre général et d'un pillage. L'armée royale n'avait pas de matériel de siège. Donc, elle était très difficilement en mesure d'affronter un siège très long. Il y a eu un premier assaut qui n'a pas marché. D'autant qu'au premier assaut, le page de Jeanne avait été tué, Jeanne elle-même avait été blessée, l'étendard miraculeux était tombé à terre. Tout s'était déréglé. Le 8 septembre 1429, c'est l'échec. La Pucelle est blessée lors de cette première défaite. Elle a perdu son auréole. Charles dissout l'armée. Pour la consoler, peut-être, il fait anoblir Jeanne et toute sa famille, lui donnant le nom de Jeanne d'Ulysse. Et bien que privée de la plupart de ses compagnons d'armes, Jeanne continue le combat, seule. Elle ne remporte aucune victoire quand elle est seule. Elle est aussi blessée à au moins deux reprises, plus qu'on aurait pu l'imaginer. Et ce sont toujours des blessures faites à distance, par des arcs. Voilà pourquoi je me demande si Jeanne était vraiment une combattante, au même titre que les autres gens présents avec elle, ou si elle était un emblème et donc assez vulnérable. Nous savons que Charles lui avait attribué un immense garde du corps, donc je crois que nous devrions vraiment revoir notre façon de considérer le rôle de Jeanne en tant que combattante. L'épopée s'arrête brusquement à Compiègne au printemps 1430. Jeanne est désarçonnée et est faite prisonnière. Elle est vendue 200 livres au comte Jean de Luxembourg, un allié des Bourguignons et des Anglais. Jean Germain, l'évêque de Nevers, raconte comment Jeanne est humiliée devant le duc de Bourgogne. Cette détestable femme, la risée des femmes, le scandale des hommes, couverte de ses armes à la manière des gens de guerre, est renversée de son cheval d'un coup de lance qui la frappe en pleine poitrine. Ses artifices disparaissent, ses sortilèges s'évanouissent. Elle cherche à se dissimuler par la diversité de ses maintiens. Elle est reconnue, elle est prise, elle est amenée au prince, dépouillée de sa trompeuse armure. Son sexe montre bien que c'est à tort qu'elle feint d'être un homme. Débarrassée de la pression de l'armure, ses seins retombent. Il montre qu'elle est apte aux soins de la maternité. Quoique, à sa tenue et à l'insolence de son langage, on eût pu la prendre pour un homme. Pendant 8 mois, le comte Jean de Luxembourg déplace sa prisonnière de château en château. Finalement, il revend Jeanne aux Anglais pour la somme de 10 000 livres. Cette année-là, les comptes de la couronne d'Angleterre mentionnent Jeanne la Pucelle. Ils révèlent que le duc de Bedford, régent anglais du royaume de France, envoie une escorte considérable pour la conduire à Rouen, où le très jeune roi d'Angleterre, Henri VI, se trouve déjà. «
24 livres payés à Richard Idlow et 47 serviteurs et pages de divers départements de la maison royale pour chevaucher de Rouen vers la Picardie avec Richard Brouzeur, quêteur royal sur l'ordre du Conseil du Roi pour escorter Jeanne, appelée la Pucelle, jusqu'à Rouen, chaque homme étant payé en récompense 10 shillings. Le jeune roi se trouvait à Rouen pendant tout le procès de Jeanne d'Arc. Je crois que sa présence était un choix délibéré. Jeanne elle-même était assez jeune. Le roi avait 8 ans, presque 9. À cette époque, les enfants étaient vénérés pour leur pureté et leur innocence. Et c'était d'autant plus valable pour ce roi qui était un enfant très pieux. Je crois qu'ils ont délibérément voulu mettre en opposition cette femme diabolique qui avait dévoyé le peuple avec ce roi qui, en incarnant la jeunesse innocente, représentait l'autorité royale légitime donnée par Dieu. Jeanne arrive à Rouen le 23 décembre 1430 et elle est immédiatement jetée en prison au château de Bouvreuil, château royal de Bouvreuil, et non pas, comme l'aurait voulu la logique, dans une prison ecclésiastique, puisqu'elle est poursuivie en matière de foi, elle est poursuivie pour hérésie. Devant 95 théologiens, l'évêque Pierre Cochon ouvre le procès de Jeanne pour hérésie et sorcellerie. Les juges reprochent à la Pucelle de s'habiller en homme et de pratiquer l'idolâtrie, ce qui permet aux bourgeois de Paris de s'indigner de plus belle contre l'insolence de l'accusé. Tous éprouvèrent une grande horreur quand ils ouïrent raconter les grandes erreurs qu'elle avait commises contre la foi et qu'elle persistait encore, car on avait beau lui démontrer ses grands maléfices et ses égarements, elle ne s'en effrayait pas. Elle ne s'en ébahissait pas. Elle répondait hardiment aux articles qu'on proposait contre elle en femme inspirée par l'enfer. Alors, bien sûr, ce sont des procès un peu politiques. À Rouen, les gens savent bien que les Anglais désirent une condamnation. Mais ce ne sont pas les Anglais qui ont condamné Jeanne d'Arc ni qui l'ont fait brûler. Il ne faut pas raconter ça. Ce sont de bons Français, normands pour la plupart, parisiens pour certains, qui étaient bourguignons et qui croyaient avoir en face d'eux une hérétique. Il ne faut pas oublier que le traité de Troyes imposait à tous les titulaires de bénéfices ecclésiastiques d'adhérer par serment au dit traité. La plupart des juges de Rouen avaient adhéré par serment, hein, au traité de Troyes. Il ne faut pas l'oublier, ça. La double monarchie, c'est quelque chose qui apparaissait au fond pour assez logique, hein, merveilleux. Un seul roi pour deux royaumes, c'est un moyen de réconciliation. Les Anglais, maîtres du jeu, font mener le procès par des Français, mais vérifient eux-mêmes la virginité de la Pucelle. Le témoin déclare avoir entendu plusieurs personnes, dont il ne se rappelle pas le nom, dire que Jeanne avait été examinée par des matrones et qu'on l'avait trouvée vierge. C'est la dame duchesse de Bedford qui avait fait faire cet examen, et le duc de Bedford se trouvait dans un endroit caché, d'où il voyait l'examen. Elle est toujours vierge. Les Anglais ne peuvent donc pas l'accuser d'être une sorcière. Mais ils doivent prouver que la Pucelle n'est pas une envoyée de Dieu afin de pouvoir contester le droit divin de Charles VII à la couronne de France. Les juges vont alors accuser Jeanne d'idolâtrie en récusant le caractère céleste des voix. Les voix apparaissent au moment du procès en condamnation. C'est à ce moment-là que les questions des juges leur donnent des identités précises. Jusque-là, il n'y a pas d'identité. Et durant le procès, on voit bien au cours des séances que les juges s'acharnent pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de voix, qui sont ces voix. Et Jeanne, on voit bien, elle est quand même ennuyée, elle répond en partie. Finalement, elle est poussée dans ses derniers retranchements. Alors elle identifie l'une à Saint-Michel, qui est le protecteur du royaume de Bourges, qui figure sur les drapeaux de Charles VII. Mais elle dit, lui, il ne vient pas souvent. Il m'a dit la grande pitié du royaume de France, il m'a dit comment bien me comporter. Mais elle ne l'a pas vu depuis plusieurs mois, dit-elle à Rouen.
Elle affirmait ne rien faire que sous le commandement que Dieu lui transmettait très souvent par l'intermédiaire de l'archange Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Il lui disait quoi faire, des secrets de l'avenir qu'il lui avait ordonnés et lui ordonnait toutes les choses qu'elle faisait, que ce soit pour son habit ou autre chose. Dans la prison à Rouen, elle est capable de faire venir les voix. Elle a maîtrisé en quelque sorte le processus. On sait du coup très bien comment ça se produit. Le silence marche très bien, elle est gênée quand il y a trop de bruit, mais le son des cloches aussi, en particulier le soir, peut faire apparaître la voix. Il faut prier, et c'est à ce moment-là que la voix apparaît ou n'apparaît pas. La voix n'est quand même pas automatique, ça ne marche pas à tous les coups. On s'aperçoit aussi que derrière les rideaux, les tentures de la salle dans laquelle ont lieu un certain nombre d'audiences, qu'il y a des gens qui se promènent et qui soufflent des réponses à Jeanne. Et Jeanne dit, mais de la place où je suis, je n'ai pas très bien entendu ma voix. Voilà, elle diffère ses réponses. Attendez que je consulte mes voix et je vous le dirai. Ce qui veut dire que les voix sont dans son environnement immédiat. À l'intérieur de sa prison, les voix continuent de soutenir Jeanne. Et au dehors, Jeanne n'est pas complètement abandonnée. Gilles Doré harcèle les Anglais dans la région. Une partie de ses compagnons ont mené campagne autour de Louviers pour délivrer Jeanne. Cela n'a pas marché, ça n'a peut-être pas paru à l'entourage du roi utile de faire massacrer des soldats français, alors qu'on était déjà en pleine discussion, sans doute, avec les Bourguignons. Il ne s'agissait pas d'aggraver peut-être la situation dans les pourparlers entre le roi de France et le duc de Bourgogne. Le procès s'éternise depuis 5 mois. L'évêque Cochon oblige alors Jeanne à signer l'acte d'abjuration de ses fautes. Elle se soumet à l'Église et promet de ne plus s'habiller en homme, sinon elle sera mise à mort. Mais toujours aux mains des Anglais, elle est à la merci de ses geôliers. Le témoin dépose que la simple pucelle lui révéla qu'après son abjuration et sa renonciation, on l'avait tourmentée violemment dans la prison, molestée, battue et déshabillée, et qu'un milord d'Angleterre l'avait forcée. Et elle disait publiquement que c'était la cause pour laquelle elle avait repris un habit d'homme. Se posent donc plusieurs questions. La première question est de savoir comment Jeanne a pu se procurer ses vêtements d'homme puisqu'elle est emprisonnée. Qui les lui a donnés? Et la deuxième question est de savoir comment elle a pu les enfiler, elle a pu les vêtir, puisqu'on nous dit qu'elle est entravée des mains et des pieds à une grosse pièce de bois qui est dans sa cellule. Donc jusqu'à présent, personne n'a répondu à ces questions. Et c'est le scandale. Jeanne est à nouveau habillée en homme malgré son abjuration. L'évêque Cochon la déclare relapse ou retombée dans le péché. Sa décision est prise. 2 jours plus tard, le 30 mai, Jeanne sera brûlée vive après avoir été excommuniée. On sait que vers 7 heures, plusieurs prêtres vont rendre visite à Jeanne pour lui donner la communion. Et là, il y a une sorte d'anomalie. Jeanne étant déclarée hérétique, étant excommuniée, on n'a pas le droit de lui donner la communion. C'est cependant que Jeanne, le jour de sa mort, avant la prédication et sa sortie du château, reçut le corps du Christ apporté sur l'ordre des juges à la demande instante de Jeanne. Alors là, il y a un certain nombre d'anomalies, d'incompréhensions. On ne sait pas à quel moment Jeanne va monter sur le bûcher.
à quel moment elle va être attachée. Là, les détails nous manquent, on s'aperçoit qu'il y a... c'est très flou dans les témoignages, qui ne coïncident pas les uns avec les autres. Elle fut menée au vieux marché, et à côté d'elle était le dit frère Martin, et celui qui parle, accompagné de plus de 800 hommes de guerre ayant haches et glaives. 800 hommes? Pourquoi une telle armée? Pour éloigner le peuple? Perceval de Cagny, le secrétaire du duc d'Alençon, a des informateurs sur place. Dans sa chronique, il révèle un étrange détail. La pucelle fut amenée, le visage embronché du château au lieu où le feu était prêt. Certaines choses furent lues en la dite place, et après, elle fut liée au poteau et brûlée. Embronché signifie en vieux français recouvert. Par quoi son visage était-il recouvert? La chronique du greffier du Parlement de Paris apporte un autre témoignage. La condamnée aurait été couverte d'une mitre. En la mitre qu'elle avait sur la tête étaient inscrits les mots qui suivent. Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Autre anomalie mentionnée dans le procès en réhabilitation. Le bourreau se plaint de ne pouvoir abréger les souffrances de la pucelle. La suppliciée est inaccessible parce que le bûcher est trop élevé. Le témoin dit et dépose que le bourreau, après la combustion, disait que jamais n'avait tant craint à faire l'exécution d'aucun criminel comme il avait eu la combustion de la pucelle pour la cruelle manière de la lier et afficher. Car les Anglais firent faire un haut échafaud de plâtre et ainsi que rapportait le dit exécuteur, il ne pouvait pas bonnement l'expédier, ne pouvant l'atteindre. De quoi il était fort mari. Le bourgeois de Paris se réjouit de pouvoir enfin annoncer la mort de la pucelle. Elle fut bientôt morte et sa robe toute brûlée. Puis le feu fut ensuite retiré et tout le peuple la vit toute nue avec tout ce qui peut et doit caractériser une femme pour enlever tout doute au peuple. Quand ils l'eurent contemplée à leur gré, toute morte attachée au poteau, le bourreau ralluma un grand feu sur sa pauvre charogne qui fut promptement consumée et ses os et sa chair furent réduits en cendres. Il y en avait ici et là qui disaient qu'elle était martyre. Il mourait pour son droit, Seigneur. Les autres disaient que non, que l'on avait mal fait de la garder si longtemps. Ainsi parlait le peuple. 20 ans plus tard, alors que la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons est terminée, plusieurs des juges qui ont condamné Jeanne comme hérétique vont témoigner en sa faveur lors du procès en réhabilitation. Mais n'en rajoutent-ils pas un peu pour mieux faire oublier leur ancienne collaboration? Jeanne, à grande dévotion, demanda à avoir la croix. Et ce, entendant, un Anglais qui était là présent en fit une petite de bois du bout d'un bâton qu'il lui bailla, et elle, dévotement, la reçut et la baisa, en faisant piteuse lamentation et reconnaissance à Dieu, notre Rédempteur. Elle mit cette croix en son sein, entre sa chair et ses vêtements. Et sans aucune forme ou signe de jugement, ils l'envoyèrent au feu en disant au maître d'œuvre « Fais ton office !» Et ainsi, elle fut menée et attachée. Et en continuant les louanges et lamentations dévotes envers Dieu et ses saints, jusqu'au dernier mot en trépassant, elle cria à haute voix « Jésus !» Cette fin héroïque va devenir légendaire. Et pourtant, en cette année 1431, aucune chronique anglaise ne mentionne l'exécution de la pucelle. Comment expliquer un tel silence chez les vainqueurs? Bien d'autres questions demeurent.
Pourquoi 800 hommes d'armes pour tenir la foule à l'écart? Pourquoi aurait-on dissimulé le visage de la condamnée? Pourquoi un bûcher trop élevé qui la rend inaccessible? Certains refusent de croire à la mort de Jeanne. Et 5 ans plus tard, alors que les Armagnacs et les Bourguignons sont à peine réconciliés, une étonnante rumeur se propage. La Pucelle est de retour. Constant fut une très grande nouvelle de la Pucelle. Celle dont on avait fait mention plus tôt, laquelle fut brûlée à Rouen pour ses démérites. Il avait alors maintes personnes qui s'étaient fait abuser par elle, et il croyait fermement que par sa sainteté, elle s'était échappée du feu et qu'on en avait brûlé une autre en croyant que ce fut elle. Près de la ville de Metz, une jeune femme, une certaine Claude, se présente comme Jeanne la Pucelle ayant échappé au bûcher de Rouen. De nombreux documents historiques attestent de cette réapparition. Le premier témoignage connu est celui du doyen de Saint-Thibault, juge ecclésiastique à Metz. Voici l'histoire de celle que les historiens ont appelée la fausse Jeanne. L'an 1436. Cette année, le 20e jour de mai, vint la Pucelle Jeanne. Elle fut amenée pour parler à quelques-uns des seigneurs de Metz. Elle se faisait alors appeler Claude. Et ce même jour, elle va voir ses deux frères, dont l'un était chevalier. Il s'appelait Messire Pierre, et l'autre Petit Jean. Ils la croyaient morte, et lorsqu'ils la virent, ils la reconnurent, et ainsi fit-elle. Le seigneur Aubert Boulet lui donna un chaperon, et le sire Nicole Groignat une épée. La dite Pucelle sauta sur le cheval, très habilement, et elle dit plusieurs choses au sire Nicole Louve, qui lui firent bien comprendre que c'était celle qui avait été en France, et elle fut reconnue par plusieurs enseignes comme la Pucelle Jeanne de France, celle qui avait amené sacré le roi Charles à Reims, et celle dont beaucoup avaient dit qu'elle avait été brûlée à Rouen, en Normandie. Tous, y compris les deux frères, vont la reconnaître. Ce qui veut dire que physiquement, elle a le même aspect. Comment, au XVe siècle, on peut savoir que l'on ressemble à quelqu'un? Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de télévision. Or, cette personne qui arrive à la Grange aux Ormes a les mêmes qualités physiques que Jeanne, la Pucelle de France. Elle a les mêmes qualités de cavalière. Elle monte très habilement, elle saute sur un cheval. Elle sait manier l'épée. S'il s'agissait d'une usurpatrice, évidemment, ça poserait quand même des questions. Ça veut dire que tous les gens qui sont autour d'elle sont abusés. Or, on n'imagine pas que les deux propres frères de Jeanne qui l'ont accompagnée, qui ont vécu à Domrémy avec elle, on voit mal comment ils pourraient être abusés par une usurpatrice. C'est une preuve de sa popularité persistante. Cette réapparition de Jeanne d'Arc, elle s'explique par ce malaise profond des Français face à cette fin qui était considérée dans la perspective du temps comme lamentable et ignominieuse. Alors elle a été reconnue, du reste, c'est ça ce qui est un petit peu bizarre, dérangeant, inquiétant, par les propres frères de Jeanne d'Arc qui, bon, sont des choses qui arrivent, qui peut-être, enfin c'est l'hypothèse qu'on avance, estimer que, après tout, si Jeanne d'Arc réapparaissait, il pourrait y avoir un profit pour eux, n'est-ce pas? Mais après que ses frères l'eurent amenée, elle revint pendant les fêtes de la Pentecôte en la ville de Marville, et elle y resta environ 3 semaines. Quand elle voulut partir, plusieurs de Metz allèrent la voir à Marville et lui donnèrent plusieurs joyaux, et reconnurent qu'elle était vraiment Jeanne la Pucelle de France. Geoffroy d'Aix lui donna un cheval, puis elle s'en alla à Arlon, une ville qui est dans le duché de Luxembourg.
Elle est à Arlon, la première des choses qu'elle fait, elle écrit au roi. Elle écrit au bailli de Troyes. Elle écrit aux habitants, aux procureurs d'Orléans. Ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui écrit, donc cette Jeanne qui est à Arlon, elle connaît parfaitement le nom, les titres des personnes auxquelles elle s'adresse. Elle connaît parfaitement la situation politique du moment, les seigneurs, les princes, leurs titres, leur position géographique, etc. L'information est véhiculée à travers tout le royaume, notamment par les deux frères qui vont à Orléans et qui annoncent la nouvelle. Jeanne est vivante. Et on ne l'appelle pas Claude, on l'appelle bien Jeanne la Pucelle de France. Comment le sait-on? On le sait parce qu'il existe des documents où l'on peut voir pour l'année 1436, dans les comptes de la forteresse d'Orléans, le passage de l'un des deux frères qui annonce la nouvelle. Il annonce que Jeanne la Pucelle est réapparue. La ville d'Orléans est très intriguée par cette personne qui se fait passer pour Jeanne d'Arc, ou qui est Jeanne d'Arc, et ils envoient leur héros à la cour de Bourgogne, et il la rejoint à Arlon. Et on n'a pas le résultat. Il ne revient pas en disant « c'est elle, je l'ai vue ». À cette date, la chronique du doyen de Saint-Thibault la situe à Cologne. Cette présence est confirmée par Johannes Nieder, prieur des Dominicains de Bâle, inquisiteur et spécialiste en sorcellerie. Son traité de discipline religieuse, le Formicarum, dresse le portrait d'une femme scandaleuse. Il y avait une jeune fille qui, en tout temps, se donnait les allures d'un homme. Elle marchait armée, avait des vêtements flottants, comme les soldats soudoyés par les nobles. Elle se livrait à la danse avec les hommes. Elle buvait et festoyait, plus que ne le comporte le sexe féminin qu'elle reconnaissait être le sien. Le siège épiscopal de Trèves était alors à la grande douleur des habitants, disputé par deux contendants. Cette jeune fille se vantait de pouvoir et de vouloir introniser l'un des deux, ainsi que la Vierge Jeanne, dont je vais parler, avait fait pour Charles, roi des Francs, qu'elle avait raffermi dans son royaume. Bien plus, elle prétendait être même cette Jeanne elle-même, que Dieu avait ressuscitée. Ceci est un registre de sauf-conduit du XVe siècle de la ville de Cologne, dans lequel les noms des voyageurs sont inscrits. Ce qu'on peut y lire, à la date du 2 août 1436, c'est l'inscription d'une Puella di Francia, pour une jeune fille venue de France, la Pucelle de France, pour un mois, avec un délai de résiliation de 3 jours. Le nom, et c'est inhabituel, n'est pas connu. Elle a dû se rendre à Cologne avec le nom de Pucelle de France, ou alors la jeune fille de France. Il n'y a pas d'autre nom. Il semble que cette jeune fille a été mêlée à des tractations politiques entre le comte de Wiernambourg et le candidat à l'élection au Conseil de Trèves nommé Ulrich von Mangerscheid. Manifestement, on a essayé d'utiliser une jeune fille du nom de Pucelle de France comme soutien politique pour aider son parti à gagner. L'inquisiteur de Cologne convoque alors cette Pucelle de France dont les actes lui paraissent inadmissibles. Elle accomplissait en présence des nobles plusieurs choses extraordinaires qui s'apparentaient de la magie. L'inquisiteur lui envoya une citation et lui intima publiquement l'ordre d'avoir à se soumettre à un sérieux examen. On racontait qu'elle avait, en présence de tous, déchiré une grande nappe et qu'elle l'avait, sous les yeux de tous, remise en son état premier. Qu'elle brisait le verre en le jetant contre le mur et qu'en un instant,
Elle le rendait à sa primitive intégrité. Elle faisait toutes sortes de choses vaines du même genre. La malheureuse refusa d'obéir au commandement de l'Église. Le susdit comte empêcha qu'elle ne fût saisie et la fit secrètement évader de Cologne. Mais si elle échappa aux mains de l'inquisiteur, elle n'évita pas le lien de l'excommunication. Excommuniée, la mystérieuse pucelle de France se réfugie au château d'Arlon et elle se marie aussitôt avec un chevalier français, Robert des Armoises, veuf avec deux enfants. Le mariage de Robert des Armoises et de cette personne qui se fait appeler Jeanne la Pucelle est célébré ici dans ce château à Arlon, où se tient la cour du Grand-Duché du Luxembourg. Jeanne est reçue par la duchesse Elisabeth de Görlitz, qui est la marraine de Charles VII. Il n'est pas pensable que Jeanne puisse rentrer dans un château médiéval si elle n'y a pas été invitée. Et si elle y a été invitée, c'est qu'elle est connue, c'est qu'elle est connue de tous les gens qui sont là, et en premier lieu de la duchesse, bien évidemment. Sitôt le mariage de Robert des Armoises et de Jeanne terminé à Arlon, le couple vient à Marville pour signer un acte notarié de vente d'une partie de leur propriété de Haraucourt, et vraisemblablement pour faire face aux premières nécessités du couple. C'est la première fois qu'apparaît le nom de Jeanne d'Ulys, la Pucelle de France. Jamais jusqu'ici, les deux noms de Jeanne d'Ulys et de Pucelle n'avaient été associés sur un acte authentique. Vraie ou fausse Pucelle, cette réapparition fait du bruit dans toute la France. Dans un registre notarié de la ville d'Arles, se trouve la trace d'un acte entre deux compères. L'un parie qu'il s'agit de la vraie Jeanne, l'autre refuse d'y croire. Le mystère gagne même les pays voisins. Et cette même année, 1436, le roi d'Espagne reçoit une lettre de demande d'aide militaire émanant d'une certaine Pucelle de France qui combat les Anglais à La Rochelle. À la cour, le connétable montrait sa signature au grand d'Espagne comme si c'eût été une relique très vénérable, car comme il était hardi et de grand cœur, il aimait ce qu'il était aussi. Et pour cette raison, il était très intéressé par les prouesses de la Pucelle. Et c'est à cause de cela que le connétable décida avec le roi qu'on envoie à la Pucelle une flotte telle qu'elle et le roi de France puissent en être bien secourus. Trois ans plus tard, on retrouve la trace de Jeanne des Armoises à Orléans. Les comptes de la ville montrent qu'elle reçoit un accueil très chaleureux. À Jacquet-le-Prestre, le 18e jour de juillet, pour 10 pintes et chopines de vin présentées à Dame Jeanne des Armoises, pour ce 14 deniers. À lui, le 29e jour de juillet, pour 10 pintes et chopines de vin présentées à Madame Jeanne, pour ce 14 deniers. Elle va passer à Orléans. Et Orléans, on va la recevoir comme une princesse, comme quelqu'un qui a sauvé la ville. On lui voue un culte extraordinaire et elle revient. Elle est invitée à dîner par la municipalité. La foule l'acclame, une foule dont on ne sait pas combien de personnes elle représente. Et cette femme disparaît au cours, ne termine pas le repas. Audit Jacquet, pour 8 pintes de vin dispensées à un souper où étaient Jean Lebillier et Thévenon de Bourges, pour que celui-ci soit présenté à la dite Jeanne, laquelle partit plus tôt que le vin fût arrivé. Le conseil municipal va lui offrir une somme colossale de 210 livres pour le bien qu'elle a fait à la ville durant le siège. Tous les Orléanais, tous les procureurs d'Orléans reconnaissent la dame des Armoises comme étant Jeanne, la Pucelle de France. À Jeanne d'Armoise, pour don à elle fait le 1er jour d'août par délibération faite avec le conseil de la ville et pour le bien qu'elle a fait à ladite ville durant le siège.
cette personne, je ne vois pas quel intérêt elle aurait à se faire passer pour la pucelle de France qui a été brûlée. Ce n'est pas pour 3 pintes de vin qu'on va lui offrir, même peut-être pour ses 210 livres tournois dont elle va bénéficier à la ville d'Orléans, parce que le risque à côté, c'était quand même de finir ses jours dans un bûcher très rapidement. Et les ennuis ne tardent pas. En 1440, Jeanne des Armoises est arrêtée comme usurpatrice, puis emmenée au palais de justice de Paris, où siège le Parlement. Le Parlement s'est emparé de l'affaire, le Parlement de Paris, et a montré la supercherie. Les gendarmes amenèrent une femme, laquelle avait été très honorablement reçue à Orléans, et quand elle fut près de Paris, la même grande erreur de croire fermement que c'était la pucelle recommença. Et c'est pour cette raison que l'université et le Parlement la firent venir à Paris, bon gré, mal gré. Et elle fut montrée au peuple sur la pierre de marbre dans la grande cour du palais. Et là, elle fut prêchée de sa vie et fut traitée dans tous ses états. Et elle dit qu'elle n'était pas pucelle et qu'elle avait été mariée à un chevalier dont elle avait eu 2 fils. Jeanne des Armoises est alors relaxée, mais elle va se faire beaucoup plus discrète. Elle disparaît effectivement, mais on la voit probablement à ce moment-là servir chez Gilles de Rais en tant que capitaine d'homme d'armes, ça c'est, on le sait. En 1441, un édit royal donne mission à Jean de Sicanville de remplacer à la capitainerie du Mans une dénommée Jeanne qui se disait pucelle. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. Savoir, faisons à tous présents et à venir que nous avons reçu l'humble supplication de Jean de Sicanville, écuyer du pays de Gascogne, contenant que, pendant 2 ans environ, feu Gilles de Rais, en son vivant notre conseiller et maréchal de France, sous lequel le dit suppliant était, avait dit à ce dernier qu'il voulait aller au Mans, et qu'il prit la charge et gouvernement des gens de guerre, qu'avait alors une appelée Jeanne qui se disait Pucelle, en lui promettant que s'il se rendait au Mont, il en serait capitaine. La même année, le roi Charles VII aurait rencontré la fausse Pucelle. C'est le chroniqueur Pierre Sala qui racontera l'entrevue beaucoup plus tard, d'après les confidences du chambellan du roi. Le dit seigneur me conta que 10 ans après fut amenée au roi une fausse pucelle. Et certains voulaient donner à entendre, en faisant courir des rumeurs, que c'était la première qui était ressuscitée. Le roi, entendant cette nouvelle, commanda qu'elle fût amenée devant lui. Elle vint droit devant le roi, ce dont il fut ébahi, et ne sut que dire, sinon, en la saluant bien doucement, il lui dit « Pucelle, mamie, vous ?» Soyez la très bien revenue, au nom de Dieu, qui sait le secret qui est entre vous et moi. À aucun moment, le roi ne met en cause l'authenticité de cette personne. Alors, miraculeusement, après avoir entendu ce seul mot, cette prétendue pucelle se mit à genoux devant le roi et sur le champ confessa toute la trahison, ce dont quelques-uns furent justiciés très âprement, comme il appartenait en tel cas. Confesse-t-elle son imposture?
Qui sont ceux que le roi juge responsables et qu'il punit si âprement? Aucun document ne permet de le savoir. En revanche, Jeanne des Armoises retourne en Lorraine auprès de son mari à Metz. Voilà une porte en bois qui date de la fin du Moyen-Âge. La partie inférieure est décorée de deux médaillons qui ont été sculptés dans le bois, des médaillons en profil. Cette porte proviendrait d'un immeuble situé aujourd'hui place Jeanne d'Arc à Metz et qui était l'immeuble dans lequel vivaient, au XVe siècle, Jeanne et Robert des Armoises. Au village de Jaulny, proche de Metz, il existe un portrait similaire de Jeanne des Armoises. C'est dans ce château qu'elle venait pour chasser. La tradition orale du village a fait de Jeanne des Armoises une habitante du village à la fin du XVe siècle. Alors nous avons ici les fameux portraits de Jaulny, Jeanne des Armoises et son mari Robert des Armoises, portrait redécouvert en 1871 par l'arrière-arrière-grand-père de l'actuel propriétaire du château. Personne n'a voulu étudier ces portraits parce que, c'est difficile. Ce serait les étudier, ce serait dire, il y a peut-être un fond de vérité dans ce qui est raconté à Jaulny. Alors, ici à Jaulny, nous sommes prêts à admettre que Jeanne des Armoises est une fausse Jeanne d'Arc. Pourquoi pas? Mais il faut nous dire qui est-elle en réalité. 8 ans après le bûcher, en 1439 à Orléans, tout le monde la reconnaît. On la reçoit à 5 reprises. À 3 reprises, on lui offre d'énormes banquets. Alors, si elle n'est pas Jeanne d'Arc, que l'on me dise qui est-elle. La regarder, il me semble qu'on est seigneur des Armoises, non? Seigneur des Armoises. Mais on le voit à plusieurs places. Là, on voit, ça apparaît nettement, des Armoises. C'est une tombe d'enfant, ça. Oui, oui. C'est pas marqué. C'est pas marqué, hein. C'est là, mais... Ces pierres tombales attestent donc de la présence de la famille des Armoises. Et il y a les armoiries des personnes qui sont ensevelies. Et ici, les inscriptions nous indiquent que C.J. René, qui est l'épouse de Louis des Armoises, qui fut oxy à Nancy, et il était seigneur d'Autrey. Mais où se trouve la tombe de Jeanne des Armoises ? Les anciens de la région racontent que sa dépouille aurait été enterrée à quelques kilomètres de là, sous le chœur de l'église de Pulligny-sur-Madon, comme l'indiquait autrefois une plaque. Il ne nous reste malheureusement que cette moulure dans laquelle se trouvait la fameuse pierre, le marbre qui précisait que Jeanne reposait là, fameux marbre qui aurait disparu dans les années 1909, juste avant la canonisation. Même ma grand-mère a lu le texte. Beaucoup d'anciens étaient formels, ils disaient qu'ils l'avaient vu. C'est pour ça que je n'ai aucun doute là-dessus. Nos anciens ont vu cette pierre, ça c'est sûr. Sur cette pierre était précisé « C.J. haute et honorée dame Jeanne d'Ulysse, la pucelle de France, dame de Tichémont, qui fut femme de notre noble messire Robert des Armoises, chevalier, seigneur du Didieu, laquelle trépassa l'an 1449, quatrième jour de mai.
Dieu et son âme. Amen. C'est la même année que les deux frères et la mère de Jeanne d'Arc vont implorer le roi Charles VII afin qu'il réhabilite la pucelle de Don Rémy, l'héroïne déchue. Le roi ordonne alors un procès de réhabilitation qui va durer 6 ans. L'un après l'autre, les témoignages vont dresser le portrait d'une sainte. Ce qui est intéressant dans ce procès en réhabilitation, c'est que tant de gens disent la même chose, comme si on avait fabriqué leur témoignage. Elle allait souvent à l'église et au lieu saint. Cela la gênait d'entendre les gens lui dire qu'elle était trop dévote. Et quand elle regardait le corps du Christ, elle versait très souvent d'abondantes larmes. On sait qu'il faut la blanchir et donc les témoignages sont des témoignages aussi truqués qu'on peut l'imaginer. Jamais en elle, il ne vit quelque chose de mauvais, mais toujours, elle fut une fille si bonne qu'on aurait dit une sainte. Mais l'Église va avoir 5 siècles de doute sur la femme qu'elle a condamnée. Au XIXe siècle, l'Allemagne et la France se disputent l'Alsace et la Lorraine, un des bassins sidérurgiques les plus importants en Europe. C'est alors que l'Église de France demande au Vatican la canonisation de Jeanne d'Arc, héroïne de Lorraine, dont les actes de bravoure permirent à la France de se libérer des envahisseurs. Jeanne ayant été excommuniée et brûlée après un procès d'église, il était difficile de la considérer comme martyr. Mais en 1891, sœur Jean-Marie Sanguier est soudainement guérie d'ulcère et d'abcès aux jambes après une série de prières à Jeanne. En 1902, Marie-Antoinette Mirandol fut guérie brusquement d'un mal plantaire perforant après des prières à Jeanne. Jeanne est déclarée bienheureuse en 1909. Mais pour devenir saint ou sainte, il faut avoir accompli 2 miracles reconnus par l'Église. Le procès en canonisation nous montre que l'Église de France va proposer d'autres miraculés. L'évêque d'Orléans se rend à l'hôpital Notre-Dame des Douleurs pour recommander aux malades de solliciter leur guérison par l'intercession de la bonne Jeanne d'Arc. Parce que, disait-il, il avait besoin de miracles pour obtenir la canonisation de la Bienheureuse. Le Vatican acceptera finalement 2 miracles. La guérison d'un mal plantaire perforant et celle d'un souffle au cœur permettront à Benoît XV de canoniser Jeanne d'Arc en 1920. Et qu'elle soit sainte, envoyée de Dieu ou vierge manipulée par les hommes, brûlée vive ou échappée du bûcher, vraie Jeanne ou fausse Jeanne, la lumière montre l'ombre et la vérité le mystère. A vraiment fait ressortir chez Marais ses plus belles qualités. Soirée spéciale, les amants de l'histoire, tout de suite.